les potos, c'est Grid, j'espère que vous êtes tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dark Souls numéro 3 PlayStation 4 contre le boss numéro 7 Volnir. Donc j'enregistre un petit peu avant, là je suis en train de courir pour y aller. Parce que je suis juste mort juste avant, donc du coup je vais refaire un peu tout le trajet là. Bon ça c'est pas très très loin, maintenant que ah là 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 là, je perds mes mots. Maintenant que je connais le chemin, voilà, que pour y aller rapidement. Bah, je vais y aller vite en fait, tout simplement. Et je vais essayer cette fois de ne pas mourir comme une grosse merde. Donc Volnir qui est un géant. Un géant en squelette. En fait, il a des sortes de bagues, de bijoux sur lui. C'est ça qu'il faut détruire pour le tuer, tout simplement. Donc j'espère que cette série de vidéos sur Dark Souls 3 vous plaît. Donc comme je l'expliquais, je ne ferai pas de let's play complet parce que c'est vraiment trop dur et je rage vraiment trop. Donc je me fais que les boss et je poste que les boss. Je pense que cela est suffisant. En plus, ça peut faire une petite solution pour ceux qui galèrent à finir le jeu et à faire les choses. Voilà, eux on les fait tomber en bas. Hop là, la petite astuce de nouveau, vous voyez. Comme ça, vous passez tranquille. Continue. Je suis pas très loin du boss là. Alors si mes souvenirs sont bons, c'est par là. Ouais. Aïe, PD. Ouais. Commence à faire mal les ennemis. Hein. Ah, j'ai une flèche dans le bras ou je pense que c'est un couteau dans le bras. J'aime bien ce petit détail à la con comme ça. On va prendre ça. Je me fais rusher, je t'ai entendu mec. Laisse-moi tranquille. Oh putain. Donc n'hésitez pas à commenter, liker et partager les amis, hein. Faites tourner à tous vos potes. Ce serait sympathique de votre part. Mes armes elles sont là, voilà, je les ai récupérées. Et maintenant, on se tape Volnir le géant. On va lui baiser sa daronne cette fois-ci, chef suprême Volnir. C'est pas moi qui mourrai à ce coup-là, c'est toi qui vas mourir mon pote. Vous voyez les trucs dorés là qui brillent, bah, c'est ça qu'il faut péter là. Aïe, mais il fait très mal, vous voyez, il m'a mis une baffe et j'ai perdu la moitié de ma vie. Hein. Voilà, même moi aussi, vous voyez, je le casse un anneau, regardez ce qu'il perd de vie, vous voyez, donc ça peut aller très vite. Faut juste faire gaffe à ses mimines. Voilà, faut pas qu'il s'énerve. En fait, Dark Souls, c'est vrai que c'est très dur, mais une fois que vous avez compris le système, que vous avez compris comment vaincre les boss, bah, ça devient beaucoup plus simple en fait. J'ai fait de la merde là. Ah, il m'en regarde de près, il va m'embrasser, il va me rouler une pelle. Ouais, j'ai cassé deux anneaux, les Jabba sont morts. Normalement, je casse un troisième, mais c'est bon. La dernière fois, c'était à ce moment-là que j'étais mort parce qu'il m'avait fait une technique, j'ai pas trop compris. Il m'avait baisé ma gueule. Mais cette fois, c'est la bonne. Oula, j'ai esquivé sa main là. Tiens, allez, mets ta mimine. Allez, allez. Putain, j'arrive pas! Je fais n'importe quoi là! Putain. Allez, pose ta main devant moi là, que je te coupe ton anneau là. L'anneau sacré de Sauron. Je vais le rusher un petit peu. Tiens, j'en sens ta gueule. Voilà! Voyez! Il est pas compliqué à tuer, mais avant il m'a baisé. Avant il m'a baisé. Voilà. Vous avez pas compris, mais bon, c'est comme ça. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est le boss numéro 7 de Dark Souls. En tout cas, j'espère que cette série continue, vous plaira et que vous regarderez le reste, que vous regarderez les précédentes, etc., etc., etc. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher votre petit like, cela me ferait vraiment très très plaisir. Merci à tous, c'était Grid. Bye bye.
Yeah.